Vierge Marie, toi qui es venue, comme tu l'as dit dans le message, pour nous aimer, je te prie pour tous les jeunes. Tu as dit un jour, les jeunes sont mon espoir, mon plus grand espoir. Et ici même, à Medjugorje, tu as choisi 6 jeunes pour leur donner les messages les plus sublimes. Et ils ont porté tes messages depuis 42 ans, presque quoi, 43 maintenant, on est en 4. Alors je te prie pour tous les jeunes du monde. Tu as dit un jour, priez pour les jeunes car ils sont dans une situation très difficile. Dans le monde entier, ils sont dans une situation difficile parce qu'ils héritent d'un monde qui est difficile. Alors Vierge Marie, toi qui es leur mère, toi dont le cœur déborde d'amour, toi dont le cœur est complètement livré à tes enfants, pour qu'ils puissent boire à cette source qui est ton cœur maternel, je t'en prie, viens rejoindre tous les jeunes du monde et leur permettre de boire à cette source. Toi aussi qui es tellement proche du cœur de Jésus, qui a été transpercé, transpercé pour laisser couler l'eau et le sang. Nous voulons, comme toi qui étais au pied de la croix, boire de ce cœur ouvert. Et ton cœur maternel ouvert qui était présent à la croix, et bien ton cœur qui a aussi été transpercé par la lance, comme l'a prophétisé le vieillard Siméon quand tu étais au temple. Alors que ton cœur vraiment se déverse, Vierge Marie, toute ta tendresse maternelle, tout ton amour, toute ta joie, tes caresses maternelles se déversent sur tous les jeunes du monde entier et qu'ils puissent te connaître, savoir qu'ils ont une mère, qu'ils ont une maman, sur tous ceux qui sont orphelins, ceux dont la mère n'était pas présente dans la maison, ceux dont la mère n'avait pas le temps, ceux dont la mère avait trop de travail. Voilà, écoute, alors Vierge Marie, je t'en supplie, sois leur mère et enfante-les à la vie éternelle, enfante-les au bonheur du ciel, enfante-les à ton fils Jésus. Une mère, c'est quelqu'un qui enfante, c'est quelqu'un qui porte dans son sein et qui enfante et qui suit l'enfant. Alors tu nous as portés dans ton sein depuis que Jésus est dit à la croix à Saint Jean, voici ta mère, en Saint Jean nous sommes tous là, tu es notre mère à tous. Alors ton cœur est complètement ouvert, alors je te demande de nous enfanter. Ma maman Thérèse, je la remercie, elle m'a enfantée à la vie de la terre, c'est bien. Mais ce corps qu'elle m'a donné, il va mourir. Et toi Vierge Marie, quand tu nous enfantes à la vie éternelle, à la joie éternelle, au ciel, et avec un corps glorieux qui ne mourra jamais. Alors tu es merveilleuse, tu es sublime Vierge Marie, tu es vraiment incroyable. Je t'aime et je voudrais que tous tes enfants puissent t'aimer, te découvrir, savoir qui tu es, que tous les jeunes puissent te dire « Maman, 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 prends-moi dans ton étreinte, prends-moi contre ton cœur, j'ai trop besoin de toi. Prends-moi contre ton cœur et là, je vais être consolée, je vais être encouragée, je vais être guérie, je vais retrouver mes forces, je vais retrouver le courage de continuer le chemin parce que je prends ta main en même temps. Je prends ta main et tu vas me guider. Tu vas me guider sur le chemin de l'éternité, le chemin de la sainteté. C'est merveilleux de t'avoir comme mère. Alors occupe-toi bien de tous tes enfants, sans exception, qu'ils soient chinois, africains, américains, européens, des îles lointaines et toutes les... Oh, j'avais oublié l'Australie. Voilà, tous tes enfants de partout, Vierge Marie, prends-les par la main et prends-les surtout contre ton cœur pour qu'ils puissent goûter, et je dirais savoureux, cet amour maternel dont tu veux les combler. Et moi qui ne suis plus très jeune, je voudrais me mêler à tous les jeunes du monde pour avec eux me plonger dans ton étreinte, être dans tes bras et là savourer ton amour maternel incroyable. J'en ai besoin, moi aussi. Tous les jeunes en ont besoin. Merci Vierge Marie. Merci maman. Merci maman pour tout ce que tu fais pour nous. Amen.